arrive bien à écrire comme ça. Le parrain de la télé-réalité. Oh merde. Oh là là. Ah, c'est forcément une fille? Ouais. Ok. Oh là là, j'ai mal. C'est très drôle. Terrible. Ah, c'est trop bien. Ah, il me tarde de voir Sephora, quoi. Oh là là, ils l'ont nommé Sephora. J'en peux plus. C'est très drôle. C'est incroyable. Ah, si tu voulais faire plaisir à... à Sam, il aime bien les cactus, apparemment. Oui, oui. Il veut une barre d'iridium. Hein. Il a dit que c'est ce qu'il préfère. C'est tellement merveilleux d'accueillir Sephora dans notre vie. Oh merde. Oh mais elle est dans le berceau. C'est vrai. Mais oui. Oui, oui, elle va occuper le berceau. Coucou Sephora. Gouizi gouizi. Gouizi gouizi. Un coup de... Allez, meurs Sephora. Gouizi gouizi. Bon, Samy Chou, tu t'en occupes bien. Bisous. Samy Chou. Quoi? Oh, tellement de sirop d'érable, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi? Regardez. Oui, ah, toi, le sorcier. Oui. Attention. Quoi, je crée, je cite, je crée un bâton enchanté. J'ai du mal avec les ans et les mots, c'est horrible. Je crée un bâton enchanté avec un pouvoir phénoménal. Cependant, il me manque quelque chose. Une barre d'iridium. Je suis prêt à payer 5 fois sa valeur au marché. Apporte-la dès que possible. C'est insupportable. Hein. Ils veulent nous harceler avec l'iridium. Ça ah, ils ont tous compris que c'était ce qu'on cherchait. Ils ont fait vite, vite, on va les faire chier. Ok. Ça fonctionne, merci les jeux. On en a pas du tout, hein, c'est ça. Ah, j'en ai marre de ces vieux rouages moisis là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là mais là, va t'occuper du bébé. Mais qui c'est qui va la garder? Mais, bah, mais fais demi-tour. Allez, au revoir, moi je me casse de la ferme, je déménage. Bon, je vais mettre une petite annonce. Je vais me s'il n'y a pas de la place à l'infirmerie. Oui, il m'a... Non, c'est pas le moment. J'espère qu'il n'y a pas de soucis. Enfin, c'est que le bébé en fait, restaurant. Il y en a plein, ils sont produits vite. Hein. Poisson des sables, je vous dis, t'es sérieuse? Putain, je les ai pêchés tout à l'heure, je les ai vendus, quoi. C'est tellement le bordel dans des sacs. Mais mieux au club. C'est incroyable. Parce que là, j'ai mis des ressources pour faire des cadeaux aux habitants. Crois-moi, j'ai de tout. Voilà, un peu de trucs pour ça, un truc de pour elle. Normalement, tout ce qui concerne les animaux. Donc il faut les 200 d'un coup, quoi. Il y a beaucoup bon. De choses. Après, si l'hiver vous ennuyez, on peut établir un plan pour tuer Sephora. Je vais mettre je vais mettre des barrières, comme Nino. Je vais mettre des portiques de sécurité. Ouais. Comment tu la nourris, Sephora, de coup au biberon? Je sais pas du tout. Moi, je veux bien lui donner un durian, hein, Sephora. Moi, je veux bien lui mettre une tétine à l'arsenic. La tétine. Arrêtez la pauvre. C'est mon bébé. Mais elle, s'il faut, elle va grandir et tout. Elle pourra nous aider à la ferme. Oui, ça va être le problème. Oui. Que tu crois, elle va grandir. Que tu crois. Que tu crois. Moi, je suis allé regarder. Hein, si elle est aussi, si elle est aussi, putain, pardon. Si elle est aussi. Si elle est aussi utile que son deuxième père, et bon, on l'a vraiment dans l'os. Bah, il est, moi, il est créatif. Je dis rien. Je dis rien. Je vous laisse découvrir. Ce qui va arriver. Elle va se transformer en dinosaure. Oh, ça va trop bien. Sephora, la première dinosaure. Elle pond des œufs en iridium. Horrible. Si seulement moi, je serais utile. Oh, j'avoue. Bon, c'est le dernier jour, donc je commence pas à ranger le cabanon maintenant, quoi. Mmh. Tu vas en avoir pour un moment. Effectivement. Bah, ça sera le prochain live. Le prochain live, on aura peut-être beaucoup d'iridium.
Il y a de la bière blonde que je dépose dans la serre qui vient d'être récoltée. Ouais, ça me servira à faire des cadeaux ici à mes futurs super amis partout. Là. C'est arrosé ou pas ça? Je sais jamais quand c'est arrosé. Non, c'est pas arrosé, ok. Ne pas toucher aux fleurs. C'est des fleurs. Mais oui, Jody. Je sais pas si c'est Jody. Je déteste ton fils. Jody. Joda. Jody, elle adore ça. Ah, c'est de la carambole. Hayley m'a demandé si on avait un poney dans la ferme. Daddy. Est-ce que c'est une indication pour avoir un poney? Daddy. Je vais J'aime un poney. En armure. Là. En diamant. Et il s'appellera... Je peux pas le dire. Pégase. Ah, nice. Ah, trop bien. On connaît qu'un seul mot, poney en diamant. Je sais pas. Il s'appelle Étalon du cul. Ah oui, bah oui. Très très drôle. Bravo, je suis à réparer l'encre, déjà? Ouais. Incroyable, trop fort. Tu as trouvé où ton truc guerrier? Bah, dans la mine. Eh bah, il y en a du coup. Oui. J'en avais. Maintenant, j'en ai plus. Du coup, il manque donc, le bois dur, là, c'est ça bon. Ouais, le bois dur, je suis en train de le faire et c'est 15 par jour. Et il en faut 200. Hein. Bah, il y en a déjà 128. Ouais, mais est-ce qu'on prend vraiment tout le bois dur ou est-ce qu'on prend vraiment le. Vu que c'est pas un truc qui est limité dans le temps, est-ce que vaut mieux pas que je prenne l'habitude de le faire tous les jours et qu'on garde en comme tu veux. En cas. Comme tu veux. Ouais. Je me dis que c'est peut-être mieux. Après, bon. Pas évident non plus, quoi. Ah, j'ai déjà plus d'eau, quoi. Merde, attends, faut que je confirme. Attends. C'est arrosé ou pas? Non, maintenant oui. C'est long en fait, hein. Ils habitent où les vieux déjà? Ou juste au-dessus de chez le maire. Le café est déposé. C'est bon, tout est arrosé à la serre. Ah, c'est vrai que je suis pas encore allé. Bon, bah elle passe sa journée à dormir, tant mieux. Je suis le hibou. Qu'est-ce qu'elle me voulait? Ah oui, le poisson des sables. Ah, mais c'est trop tard là pour le poisson des sables. Quoique j'en ai peut-être en boîte. Non, mais... Il y a du monde au salon aujourd'hui. Oh. Ah ouais? Ouais. Attends, mais ils habitent où les vieux? J'ai vraiment oublié.
Bah vraiment, juste au-dessus de chez le maire. Au-dessus de chez nous? Le maire. Poisson des sables. Non, ça c'est une carpe. Poisson des sables. Poisson des... Non, ça c'est une carpe. Y a pas de poisson des sables. Ah non, c'est un flette. Evelyne, elle m'a donné un cookie. Ah, chanceux. Monsieur, je veux des cookies. Punaise, y a pas de poisson des sables. Va falloir aller en chercher. Ok. Oh, elle m'a donné la recette des cookies. Ah, trop cool. Elle dit, tiens, c'est pour toi, prends des petits cookies. Tiens, Imra, t'es à la ferme ou pas? Oui, je suis à la ferme, oui. Est-ce que tu veux tuer un slime gratuitement? Alors, je peux tuer un, par contre, il faut que tu l'isoles. Hein. Il est isolé, tu peux venir. Il a donné deux slimes. C'est pas ouf. Faut que j'en massacre un autre? Pas sûr, non, c'est bon. Ok. Mon épée est à votre service. Bon, j'aurais pas tout compris. D'ici la prochaine fois, je vais étudier un peu les slimes. Hein. Histoire de devenir une professionnelle. Let's go. Parce qu'à côté, les lapins, les moutons et les vaches, c'est facile, quoi. Oui, je suis d'accord, ça a l'air simple. Bon, bah c'est une fin de journée. Et oui, elle fut bonne. Elle fut fructueuse surtout. C'est un peu moins le bordel dans mes sacs. J'ai une graine ancienne, mais c'est un artefact. Apparemment, elle a déjà été déposée, ça, ça serait écrit. Mais... C'est écrit quand c'est déjà déposé? Normalement, t'as une phrase de Gunter blablabla qu'on sait déjà faire. Ok. Gunter pourrait venir dire plus, amuser. Je pense que je vérifierai quand même au cas où, mais... Bah il est où Sam? C'est inquiétant. Qui c'est qui est pas au lit? Moi je suis. J'ai croisé Sam sur le chemin mais il est pas à la maison. Il est allé vendre Sephora. Non j'ai vérifié, elle est là. Au marché noir. Il est allé tromper pendant la nuit. Non, je pense qu'il est allé bosser. Il a un gosse, voilà. Ouais. Terrible.